Tout le monde bienvenue à cette prédication de l'Église de Portail mon nom est pasteur Guétan je suis le pasteur principal et c'est une joie pour moi de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans l'Ancien Testament ce matin alors qu'on commence une nouvelle série euh, mais d'abord je vais profiter vraiment euh tout le peuple du portage. Je sais qu'il y a plusieurs sites, plusieurs personnes qui, qui suivent quand même les messages de Laval. Donc salutations. J'ai hâte d'aller vous voir cet automne. Je salue particulièrement notre église de Labitibi. Encore une fois, très hâte d'aller retourner vous voir cet automne. Je sais que plusieurs prédicateurs vont faire leur tour. Euh, Je vous ai aussi pu saluer particulièrement l'église d'Alma. Donc j'étais en contact avec des gens de l'église d'Alma cette semaine, au Saguenay Lac Saint-Jean. C'est pas trop à Montréal. Si on dit Saguenay Lac Saint-Jean. Donc salutations et partout au Québec, également en Europe. En en France. Donc, merci encore une fois d'être avec nous ce matin. Nous commençons une nouvelle série de messages qui se nomme euh, « C'est quoi le rapport Ou, vous savez, dans la Bible, il y a des textes vraiment inspirants, mais il y a des textes aussi bizarres. Il y a des textes particuliers, des textes obscurs, et lorsqu'on les lit, notre réflexe, c'est Mais c'est quoi le rapport Maintenant, les chrétiens et au portail, on a deux convictions. La première conviction biblique, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, quand tu te poses la question, c'est quoi le rapport? Le premier réflexe, c'est de prier. Je sais qu'il y a un rapport avec Jésus dans le texte. D'ailleurs, Jésus le fait. En Jésus a enseigné, on l'a vu sur la route d'Emmaüs, sur la route avec les disciples d'Emmaüs. Il a enseigné euh, tout, ce que tout ce qui avait rapport avec lui dans l'Ancien Testament. Euh, notre deuxième conviction biblique, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Vous savez, la vie est, est difficile. Il y a des gens qui m'écoutent. Euh, tu vis une épreuve, tu vis des difficultés dans ta santé, dans ta maison avec tes enfants, au travail, dans ton mariage. Euh, tu, tu luttes avec toutes sortes de peurs, des tentations, le péché. Et ni toi ni moi, on veut perdre notre temps. Et à chaque jour, à chaque matin, à chaque dimanche, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, nous croyons, peu importe où on est dans ce livre, qu'il y a une parole de Dieu pour nos vies, que la parole de Dieu, elle est pratique, elle est pertinente. Et une des études qui a façonné mon ministère, c'est que plusieurs années, j'ai lu qu'on a demandé à 1400 personnes qui allaient à l'Église, dans différentes Églises, est-ce que ce que tu entends le, le dimanche à l'Église est pertinent avec ta vie? Est pertinent à ta vie? Et 83 des gens disaient n'avoir aucune pertinence avec ce que leur pasteur prêchait et les défis de leur vie quotidienne. Et en tant que jeune pasteur, une de mes prières, c'est Seigneur, donne-moi la grâce d'annoncer le plein conseil de la parole de Dieu, mais de toujours démontrer au peuple comment la parole de Dieu est pratique, elle est pertinente et comment il y a toujours euh, une multitude d'applications à nos vies quotidiennes. Parce que le but de la parole de Dieu n'est pas de nous informer, mais de nous transformer. Donc, pour cette série, on a fait un sondage et cinq textes difficiles ont émergé. Donc, cinq textes étranges, obscurs, bizarres. Donc, des gens ont dit, ça, c'est un des textes où j'ai le plus de questions. Et le texte passage de ce matin, c'est la question numéro un lorsque j'enseigne l'Ancien Testament et lorsqu'on est dans la Genèse. C'est le fameux passage où les fils de Dieu vont marier les filles des hommes. Donc, ouvre avec moi dans Genèse 6. Et ce texte est, à, 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 à abord, semble bizarre parce qu'on a l'impression que des anges euh, ont des relations sexuelles avec des femmes qui donnent naissance à des géants. Donc c'est un peu bizarre et on se dit, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu que ça change? Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Comment la bonne nouvelle de Jésus est là-dedans? Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. Genèse 6, versets 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qui choisirent leur femme. Alors l'Éternel dit Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'à leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Plusieurs vérités là-dedans. Et la première vérité c'est que Dieu commence toujours par la bénédiction. Lorsqu'on est dans un texte obscur comme celui-ci, dans certains passages de la Bible, quelquefois on a l'impression que Dieu commence toujours avec le péché, avec la malédiction, avec le jugement. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu de bénédiction. Et Dieu commence toujours par la bénédiction. Et ce récit commence dans la bénédiction. La preuve, verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, tu dois comprendre que la multiplication de l'humanité est une bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit, il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et tu as besoin de réaliser cette vérité, que Dieu commence toujours par la bénédiction. C'est vrai dans notre monde, c'est vrai pour ta vie. Ce livre commence avec la, avec la bénédiction. D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il va prêcher, sa si mémoire est exact, à l'Istre. Il va commencer en parlant à des gens qui connaissent rien de Dieu, en leur rappelant que Dieu est bon, que Dieu les a bénis en leur donnant les saisons, en leur donnant de la nourriture, en, en restreignant le mal, en permettant la prospérité, la liberté, que Dieu les a bénis en leur donnant la nourriture, en prenant soin d'eux. Donc, ça s'appelle la grâce commune. Et tu as besoin de comprendre que la Bible commence dans la bénédiction, l'humanité commence dans la bénédiction, le chrétien, ton histoire commence dans la bénédiction, Ephésiens 1,3, béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible dit d'ailleurs même dans Jacques 1, 17, que toute bénédiction vient de Dieu. Même si tu m'écoutes, tu peux être le plus grand des athées, ne pas croire en Dieu. Mais tout ce qui est bon dans ta vie vient de Dieu. Il n'y a rien de bon dans ce monde qui ne vient pas de Dieu. Alors, si tu vas acheter une voiture, est-ce que tu vas chez Costco? Est-ce que tu as une carte Costco, je vais avoir un bon prix? Est-ce que tu vas chez Walmart? Non. Pourquoi? Est-ce que tu vas commander Amazon? Non. Parce que ces commerces, ces entreprises n'ont pas de voiture. Le problème de l'humanité, c'est qu'on cherche la bénédiction hors de Dieu. Dieu a le monopole de la bénédiction et le texte commence. Alors que c'est un texte où on voit que Dieu prépare le déluge, il y a la condamnation, il y a le péché, il y a des choses que Dieu désapprouve. Ça commence dans la bénédiction. Et la deuxième chose, c'est que Dieu promet de préserver une descendance pour Jésus. OK, reste avec moi. Nous sommes dans Genèse 6. Tu sais qu'est-ce qu'il y a avant Genèse 6? Il y a Genèse 5. Et tu sais qu'est-ce qu'avant Genèse 5, Genèse 4. Puis avant Genèse 4, Genèse 3, 2, 1. Maintenant nous sommes dans ce qu'on appelle l'histoire primordiale. On est dans les temps très anciens, au début de l'histoire de l'humanité. Et pour comprendre ce qui prend place, tu dois avoir une petite récapitulation. Pour comprendre Genèse 6, tu dois comprendre Genèse 1 à 5. Genèse 1. Dieu crée l'univers. Genèse 2. On voit que le focus est mis sur l'homme et la femme dans le Jardin d'Éden, avec la bénédiction de Dieu, le plan de Dieu. Genèse 3, le péché de l'humanité, la révolte, conséquence de la chute. Mais voici ce que Dieu va dire. Dieu va dire au serpent, et on sait que c'est le diable, il va lui dire, je mettrai l'inimitié, hein, l'inimitié c'est le contraire de l'amitié, donc je mettrai l'hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. C'est ce qu'on appelle en théologie le proto-évangile. C'est dès Genèse 3, on a l'annonce de la venue de Jésus. Dieu annonce qu'il y aura sur la terre deux descendances. Une descendance qui vit pour la gloire de Dieu, une descendance qui est en révolte contre Dieu. Et la Bible dit que de cette descendance qui glorifie Dieu viendra le Messie. Qui va écraser la tête de l'ennemi, qui va écraser la tête du mort, qui va écraser la mort, la tête du péché. Mais que cet ennemi, que cette descendance que le monde, alors que Jésus va écraser la tête de ce serpent, il va lui mordre le talon par la croix. Mais que cette descendance est la descendance du salut. Et cette histoire biblique, c'est l'histoire de Dieu qui prépare cette descendance pour permettre la venue de Jésus. Et pour comprendre Genèse 6, tu dois comprendre le plan de Dieu. Et on voit Genèse 3, c'est la chute. Genèse 4, on voit qu'Adam et Ève vont avoir un enfant Caïn. Et Ève va dire, elle va espérer qu'elle va dire, j'ai un fils Caïn grâce à l'aide à l'Éternel, et elle pense que ça va être lui, le Messie. Et l'histoire nous dit qu'elle a un autre fils, Abel, et que j'en vois dans Genèse 4 et 5 que caïn va tuer Abel. Et Genèse 4, on voit la descendance de Caïn, qui est la descendance du serpent, où on voit l'émergence de la civilisation, où on voit qu'il y a plein de sensualité, où on voit qu'il y a plein de rébellion, où on voit la polygamie, où on voit du satanisme, où on voit plein de choses qui prennent place. Mais Genèse 5, on voit qu'Anaïe a un troisième fils, Seth. Et lorsque cette va naître, la Bible dit, c'est alors qu'on commence à évoquer le nom de l'Éternel. Et à Genèse 6, on vient tout juste de présenter, dans Genèse 4 et Genèse 5, ces deux descendants, ce combat spirituel qui va prendre place tout au long de l'histoire et qui va culminer avec la venue de Jésus. Maintenant, qui sont les fils de Dieu et les filles des hommes? Ok. Plusieurs personnes vont dire, il y a deux interprétations. On dit que les fils de Dieu sont des êtres angéliques ou des démons. Pourquoi? Parce que dans Job, verset 1 à 6, dans l'Ancien Testament, la manière de désigner le monde angélique, on les appelle les fils de Dieu. Alors on dit que lorsque les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, tu vois ça dans Genèse 1, et Satan, Satan est considéré comme un fils de Dieu, encore une fois, plus par, par sa nature angélique hein, que par sa position devant Dieu. Plusieurs vont dire Voyez-vous, c'est des anges qui viennent coucher avec des femmes, puis ça va donner des géants. Le problème avec ça, c'est que Jésus va dire que c'est impossible. Une des règles en interprétation biblique, c'est qu'on interprète la Bible par la Bible. On interprète ce qui est obscur à la lumière de ce qui est clair. Et regarde ce que Jésus va dire dans Matthieu 22, 30. Jésus va dire Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, car ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et un petit peu plus loin, Luc va dire, dans Luc, Jésus va dire la chose suivante, dans Luc 20, le verset 36. Regarde ce qu'il va dire. Et c'est là qu'on a une clé sur qui sont les fils de Dieu. Ils ne pourront non plus mourir parce qu'ils parlent des chrétiens, ils ne pourront plus non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu. En fait, les fils de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Les fils de Dieu, c'est la descendance de Seth. C'est ceux qui invoquent l'Éternel. C'est ceux qui glorifient l'Éternel. C'est la descendance par laquelle va venir le Messie. Et ce qui prend place ici, c'est un compromis spirituel incroyable où les enfants de Dieu vont faire une alliance avec les enfants de ce monde où le peuple de Dieu va se compromettre avec le monde. Va faire des alliances, va y avoir des mariages. Où ils vont délaisser Dieu et cette descendance, cette génération qui est censée de permettre la venue de Jésus, se compromet et se détourne. Cette descendance que Dieu voulait se servir pour impacter le monde, cette descendance délaisse son appel, délaisse son appel et se fait influencer par le mal. Et c'est là qu'il prend place où on a les fils de Dieu qui vont vers les filles des hommes. Et uh, ce qu'on voit ici, c'est un compromis. Voyez-vous, et c'est un des, des exemples que j'ai souvent donné. Souvent, les chrétiens, on pense qu'on a tendance à se dire oh, Mais ce n'est pas si grave. Un petit compromis. 99 pour certaines choses n'est pas suffisant. Hein, je l'ai souvent dit 1 d'urine dans une bouteille d'eau, est-ce que tu la bois Non. 1 d'excréments dans ton gâteau, est-ce que tu le manges? Non. 1 de, de sang contaminé par le sida, est-ce que tu prends la transfusion sanguine? Non. 1 d'araignée dans ton lit, est-ce que tu dors en paix? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que le 1 contamine tout le reste. Et c'est ce qui prend place ici. Alors qu'il y, y a un compromis spirituel du peuple de Dieu, la descendance des fils de Dieu, tout à coup, le plan de Dieu est en péril. Vous savez, Dieu ne fait pas d'homéopathie. Dieu n'est pas un homéopathe spirituel. Ça veut dire quoi? Son plan n'est pas d'agir à petite dose dans le monde, mais d'avoir un peuple totalement consacré pour changer le monde. Et c'est pourquoi ce qui prend place est très grave. Et regarde ce qui prend place. On voit les fils de Dieu. Et, et, et on pense, plusieurs commentateurs vont dire qu'en en fait, on voit ici Satan qui effectue probablement la première invasion démoniaque de l'histoire. OK, reste avec moi. Les fils de Dieu, il y a deux possibilités dans la Bible hein? c'est soit les anges ou le peuple de Dieu. Certains vont dire c'est l'un ou l'autre. C'est correct, on a le droit d'être en désaccord. Pour moi, ça ne peut pas être seulement les anges parce qu'un ange ne peut pas copuler avec des humains ici. Parce qu'encore une fois, tu as le droit d'être en désaccord avec moi, mais tu vas être en désaccord avec Jésus. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que juste des alliances, c'est beaucoup plus que du sexe ici-là. Il y a une influence. Je crois que la Bible parle de fils de Dieu pour dire oui, il y a une influence d'anges déchus qu'on appelle démons. Et ces gens qui font, ces fils de Dieu qui ont un appel, qui sont censés être la lumière dans les ténèbres. On voit, est, la Bible appelle ça dans le Nouveau Testament, on voit une influence démoniaque. Et je pense qu'il y a beaucoup plus, encore une fois, que tu sais, qu'une influence démoniaque. Et plusieurs commentateurs très sérieux vont voir dans ce texte la première invasion démoniaque dans le monde. En fait, ce que ce texte dit, c'est que ce monde est influencé par Satan. Ce monde est influencé par les démons. Alors que ce monde devait être influencé par Dieu et vivre pour la gloire de Dieu, il est influencé. Puis en fait, c'est logique, parce qu'on voit que c'est une des méthodes du diable. Ephésiens nous dit que le diable a des méthodes. Une des méthodes du diable, c'est de toujours de tuer dans l'œuf ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, souvent, les chrétiens, on pense que les attaques spirituelles, c'est lorsqu'on est rendu, on a des attaques. Hein, souvent, les gens vont dire Ah, oh, pasteur, toi, en tant que pasteur, tu dois des attaques. Mais oui, j'ai des attaques, tu as des attaques. Tout le monde a des attaques. Mais c'est de quoi Les plus grandes attaques du ministère ne sont pas toujours dans le ministère, sont avant le ministère. Pourquoi on voit ici que le diable veut tuer dans l'œuf l'avenue de Jésus avant que Jésus arrive. On pense souvent que le diable, son plan, c'est d'amener Jésus à la croix. Non, le diable veut éviter que Jésus se rende à la croix. Le diable, le diable a entendu Isaïe 53. Là. Ce que le diable fait, c'est qu'il veut tuer dans l'œuf l'œuvre de Dieu. Et dès les temps anciens, alors que Dieu donne la promesse, le diable n'est pas un imbécile. Le diable veut tuer. La descendance. Et on le voit avec Hérode. Pourquoi Hérode veut tuer bébé Jésus? C'est toujours, toujours la même stratégie. Puis il y a des gens qui m'écoutent, tu as besoin de comprendre. Que Dieu a un plan pour ta vie, mais que le diable aussi a aussi un plan. Et que, souvent fois, le diable va vouloir tuer ton mariage avant que tu te maries. En permettant des choses dans ta vie. Il y a des gens, le diable veut tuer ton ministère avant que tu rentres dans le ministère. Vous savez, je vois plein de gens qui ont l'appel au ministère et qui ne vont jamais servir Dieu dans leur vie. Pourquoi? Tu es dans l'œuf. Exactement la même stratégie. Et on voit, ce livre-là est christocentrique et dans ses attaques, le diable est christocentrique. Et on voit la première invasion. Et cette influence démoniaque, regarde la conséquence sur l'humanité. L'humanité répète le péché d'Adam et Ève. Si tu lis attentivement le verset 2, les fils de Dieu virent, regarde les verbes, virent que les filles des hommes étaient belles, en hébreu c'est bonne. et ce fut parmi elles qu'ils choisirent ou qu'ils prirent leurs femmes. Il y a trois mots clés ici voir, bon, prendre. En hébreu, c'est exactement les mêmes verbes lors du péché d'Adam et Ève. Ève, Genèse 3, elle voit le fruit, verset 6, je crois, elle voit le fruit. Comme les fils de Dieu voient les filles des hommes, le fruit est bon. Les femmes, littéralement, elles étaient bonnes. Elle prend le fruit. Ces hommes-là, cette génération-là, cette descendance, elle prend. Ils prennent les femmes. Il y a une répétition du péché d'Adam. Vous savez, il y a des patterns spirituels dans l'humanité qui, qui sont toujours là. Souvent on dit, ah oh, mais c'est pas juste Dieu m'impute le péché d'Adam, je péché, mais moi j'ai rien fait. Mon ami, écoute-moi bien. Notre culpabilité devant Dieu est due non seulement à l'imputation du péché d'Adam, mais à notre commission personnelle du péché. On voit cette génération-là, alors qu'Adam et Ève ont péché, Dieu fait une promesse, Dieu fait grâce, Dieu fait un plan. Peu après, l'humanité se révolte encore contre Dieu. Ça, je travaillais pour une compagnie, de, 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 une compagnie à un moment donné, puis on nous enseignait des, des principes de marketing. Il fallait aller dans. Au métro à Montréal, dans un métro, puis lorsque les gens sortaient, on devait leur donner des tracts publicitaires. Puis une des choses qu'on nous a appris, c'est que si la première personne prend le tract, tous les autres vont prendre le tract, hein, parce que l'être humain est un, est un suiveur par nature. Si la première personne ne prend pas le papier, les autres ne prendront pas le papier. Hein, les gens reproduisent un patin. Donc ce qu'on faisait, c'est que lorsque les wagons de métro arrivaient, puis la chandannage, des gens, la foule sortait. On mettait quelques gens de l'équipe qui sortaient en premier, donc qui se plaçaient lorsqu'ils sortaient en premier, prenaient les papiers, puis là tout le monde prenait les papiers. Puis on voit exactement la même chose. On voit que l'humanité encore une fois reproduit le même péché naïve. Pas encore aujourd'hui, puis dans ta vie, puis dans ma vie, on fait exactement la même chose. Vous savez, nos, nos parents, lorsqu'on était jeunes, je ne sais pas pour toi, mais souvent quand je, je disais oh mais mes amis ont le droit, mes amis font ça, qu'est-ce que nos parents nous disent? Nos parents nous disaient Si ton ami se jette en bas du pont, est-ce que tu es assez niaiseux pour te lancer en bas du pont Est-ce que je suis seul à qui les... est. Évidemment, la réponse est non. Mais spirituellement, la réponse est oui. L'être humain est pécheur, alors qu'on voit Adam et Ève se lancer en bas du pont cette génération-là se lance en bas du pont on voit constamment, on a des dizaines de récits, de gens, de païens, de croyants. De bons, de moins bonnes personnes, de toutes sortes d'arrière-plan, qui continuellement savent ce qui est mal, puis vont le faire pareil. Puis dans nos vies, on le fait pareil. Et on voit ici qu'il y a un principe, que l'humanité répète le péché d'Adam. Et regarde, la Bible va parler de quelque chose qui est, qui est vraiment qui est fascinant. Le verset suivant, verset 3 et 4. Alors l'Éternel dit Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que cher. Et ces jours seront de 120 ans. Certains, il y a deux positions. Certains vont dire que c'est 120 ans avant le jugement, donc Dieu donne une période de grâce, ça se peut. Certains vont dire que Dieu fixe une limite approximative de 120 ans pour la durée de la, de la vie d'un être humain. C'est tout aussi possible. Et regarde, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donner des enfants. Ce sont là les héros des temps, les héros des temps anciens. La Bible nous parle des géants, nous parle des héros. On va comprendre c'est quoi exactement. Mais ce que tu dois retenir, la chose la plus éloquente que la parole de Dieu nous dit, c'est que même les meilleurs croyants, les héros et les géants, ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. As-tu remarqué? Alors qu'on parle de géants, alors qu'on parle de héros, c'est quoi le verset d'après? Le jugement de Dieu, le déluge, chambier, ils vont tous mourir. Ils ont tous besoin d'un sauveur. Pourquoi la Bible parle de géants et de héros? Okay. Dans, vous savez, la Bible, tous les textes bibliques répondent à des questions de cette génération. Quand tu lis Romain, la parole de Dieu répond à des questions que se pose l'Église de Rome. Ici, on répond à des questions du peuple de Dieu. Ce texte-là n'est pas juste là pour nous donner de l'histoire. À l'époque, dans la croyance païenne de l'époque, où on a toutes sortes de conceptions mythologiques, on croit. Hein, que lorsqu'on voit des gens de renom, lorsqu'il y a des grands guerriers, lorsqu'il y a des héros, on croit qu'ils sont des demi-dieux. On croit qu'il y a des dieux qui ont couché avec des humains, puis ça a créé ces gens-là. Parce que ces gens-là sont tellement exceptionnels qu'il doit y avoir une raison surnaturelle. Puis c'est vrai dans le monde de la Bible, c'est vrai dans la mythologie grecque, c'est vrai partout. Maintenant, la Bible veut répondre à cette fausse croyance. En disant, ce que vous considérez comme des héros et des géants ne sont pas des êtres surnaturels exceptionnels, ce sont seulement des pécheurs mortels qui ont besoin d'un sauveur. Pourquoi? OK. Alors que Dieu dit qu'il va envoyer le déluge, je veux juste te rappeler qu'il y avait des bons croyants là-dedans, puis même eux autres avaient besoin d'un sauveur. Lorsqu'on voit les géants, c'est quoi? Le, le mot pour géant, c'est Niphilim. En fait, c'est une mauvaise traduction. Littéralement, en hébreu, c'est les tombés. Pourquoi est-ce que nos Bibles, quelquefois, certaines traductions comme la mienne à colombe, vont dire géant? C'est parce qu'on fait un lien avec nombre 13, 33, lorsque le peuple de Dieu va aller en Canaan, puis on va voir, hein, on va voir des, des, des Niphilim, on va dire que ce sont des gens de haute taille. Un géant, ce n'est pas, pas des gens qui sont grands comme des taux, c'est simplement des gens de haute taille. Puis on va dire c'est des géants. Donc, Niphilim, sachant pas trop comment le traduire, on le met dans le texte comme géant, mais en fait, ce n'est pas ça. C est, c est, c'est des, des gens qui avaient de renom, hein, on dit, qu'ils sont des héros, littéralement des vaillants, des gens, des guerriers. Donc, en fait, ce qui prend place ici, c'est qu'alors qu'il y a des alliances entre le peuple de Dieu et le monde, ça va donner naissance à des dynasties. Et ça va donner naissance à des gens qui vont, euh, qui vont être de grands guerriers, des gens qui vont être exceptionnels, qui vont avoir de grandes batailles. Tu peux être grand selon les hommes et être petit selon Dieu. Donc, ce que, le, ce que le monde considère comme étant géant n'est pas géant aux yeux de Dieu. Ce que le monde considère comme, héo, comme héroïque, souvent pour Dieu, c'est pathétique. Ici, c'est selon la perspective de la culture. Et la clé fondamentale à retenir ici, c'est que même les héros et les géants ne peuvent se sauver eux-mêmes. Vous savez, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans, dans notre culture, il y a des gens, on est toujours surpris lorsque... Un, un héros, lorsqu'une célébrité, lorsque des géants, on les appelle comme ça, non pas physiquement, mais dans notre stature, dans leur stature, dans leur influence. Hein, on va parler de géants. On est toujours un peu ébranlé. Hein, lorsque au Québec, Guy Lafleur est décédé hein, il y a quelque temps. Plusieurs on était ébranlés parce que c'est quelqu'un qui. Ça a été un héros, c'est quelqu'un qui a été dans, dans l'histoire du Québec. C'est quelqu'un qui faisait partie du paysage médiatique culturel tout à coup, comme Wow! Oh, sa mort nous rappelle notre propre mort. Ça a été la même chose avec Kobe, Kobe Bryant de plusieurs années. Euh, simplement, dans les, les, les dernières semaines, hein, dernière semaine, tu es là, tu, oh, Denise Bombardier est décédée, euh, Jane Burking est décédée, euh, Tony Bennett est décédé, euh, est ça. Shineda Conner est décédée. Si tu visionnes et écoutes ce message dans deux, trois ans, tu peux mettre à jour la liste. Parce que je te garantis que la liste va se mettre à jour. Il y a continuellement des gens qui sont honorés, respectés, vénérés, qui meurent. Et ce texte-là nous rappelle que personne ne peut se sauver lui-même, même les géants ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, même les géants ont besoin de Jésus, quelqu'un devrait dire Amen. Et devant ce constat de cette humanité qui se révolte, qui se pense grande, regarde ce que dit la parole de Dieu, verset 5-6. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta, littéralement se, se repentit d'avoir fait l'homme. En passant, je vais juste te dire je t'ai dit tout à l'heure, sur les fils de Dieu, il y a deux, deux positions. Certains vont dire que c'est des, des anges des démons, en tout cas des êtres angéliques, des esprits. Bon, je ne crois pas, je pense que c'est vraiment les, les, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, avec une influence, donc il, il y a une influence surnaturelle, donc des gens pas régénérés. Hein, qui, qui sont là, qui ont une influence surnaturelle. Mais le texte parle continuellement de l'homme, de l'homme, de l'homme. Dieu regrette l'homme, l'homme. Le jugement n'est pas sur les anges, il est sur les hommes. Hein, ce qui milite en faveur de, de l'interprétation, les fils de Dieu, c'est vraiment la descendance de Seth. Et Dieu dit L'Éternel regretta, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Wow! Une autre grande vérité qui demeure éternelle, c'est que le cœur de Dieu est affligé face à notre péché. La Bible dit se repentir en hébreu. Certains vont dire, mais comment Dieu peut se repentir? D'ailleurs, même la Bible va dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne peut se repentir. Quand l'Ancien Testament dit que Dieu se repent, ce, ce n'est pas parce que Dieu a péché, c'est une. Ça s'appelle, là je ne veux pas sortir des gros mots, mais ça s'appelle un anthropomorphisme. C'est-à-dire, on emploie un langage humain pour expliquer ce qui se passe. Quand la Bible dit que Dieu se repentit, c'est simplement pour dire qu'il y a un changement dans l'action de Dieu. Alors qu'à partir de Genèse 1, Dieu est dans la création, Dieu est dans la rédemption. 2, 3, 4, 5, à Genèse 6, il y a un changement dans le plan de Dieu. Maintenant, c'est la condamnation qui arrive. Et Dieu n'est pas heureux. Dieu est affligé. Wow. Alors souvent, on pense que Dieu est fâché, toujours fâché. Des, même des chrétiens qui pensent que Dieu est toujours fâché, mon ami, Dieu est beaucoup plus affligé que fâché. Il est affligé, sans enlever la colère de Dieu qui est quelque chose. Mais Dieu est plus, beaucoup plus affligé par nos péchés que simplement fâché. Et pourquoi Dieu va envoyer le déluge quand même? Pour ceux qui ont des enfants, je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé de, de chicaner mes enfants, hein, de, de punir mes enfants. De corriger mes enfants. C'est tu quoi? Alors que j'avais l'air du gros papa insensible, lorsque je, je, je quittais, mon cœur était brisé. Ce n'est pas avec joie. Que je punissais mes enfants. Pourquoi est-ce que je corrigeais mes enfants? Pourquoi est-ce qu'on réprimande nos enfants? Pourquoi, quelquefois, justement, il y, y a des punitions, des sanctions? Pourquoi? Parce qu'on les aime. On veut leur bien. On veut, on veut qu'ils changent. On veut qu Puis c'est mal aimer ses enfants que de tout tolérer. Ce serait mal aimer l'humanité que Dieu tolère tout. Et pourquoi Dieu est affligé? On va dire, mais pourquoi qu'il envoie le déluge dans ce cas-là? Parce que Dieu doit envoyer le déluge. Pourquoi? Si Dieu n'envoie pas le déluge, ça devient n'importe quoi, ça dégénère. Et la venue de Jésus est en péril. Jésus ne peut pas naître dans n'importe quel contexte. Donc, Dieu a envoyé le déluge par amour pour toi et pour moi. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Souvent, c'est un petit verset qu'on récite, mais tu dois réaliser qu'il y a un coup à ce verset-là. L'amour de Dieu a amené à poser des gestes difficiles, dont ici la quasi-destruction de l'humanité qu'il a créée. Pourquoi Pour la sauver, par amour. Et le texte termine en disant, avec... On voit le déluge s'en vient, le jugement, l'affliction, le regret. On voit la perversion, on voit la corruption, la dépravation. Regarde le verset 8. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Wow! Malgré tout, Dieu fait encore grâce. En fait, le déluge est un acte de grâce pour l'humanité. Noé obtint la faveur de l'éternel. Qu'est-ce que le verset dit Mais Noé obtint la faveur de l'éternel parce qu'il était plus sain que tout le monde. Est-ce que c'est ça que tu as dans ta Bible Mais Noé obtint la faveur de l'éternel parce qu'il était digne. Est-ce que c'est ça qui est écrit Non. Mais Noé obtint la faveur de l'éternel parce qu'il a jeûné. Noé obtint la faveur de l'éternel parce qu'il était un homme de prière. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu dit mais Noé obtint la faveur de l'Éternel parce qu'il avait une bonne théologie christocentrique. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Non. Noé obtint la faveur de l'Éternel parce qu'il donnait sa team, parce qu'il ne regardait pas de pornographie. Parce qu'il manifestait pleinement le fruit de l'esprit. Est-ce que c'est pour ça que Dieu lui a fait faveur? Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel parce qu'il était meilleur, parce qu'il était une bonne personne. Non. La Bible dit Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel point. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Wow! Parce que si Noé n'obtient pas la faveur de l'Éternel, il meurt comme tout le monde. Mais Dieu doit garder un reste pour permettre, pour reconstruire, pour permettre la venue de Jésus pour l'espoir de l'humanité. Puis il choisit un homme par grâce. Un homme qui n'est pas meilleur, qui n'est pas plus spirituel. C'est la grâce de Dieu et à toi qui m'écoutes, à toi qui crie à Dieu. Dieu veut te faire grâce, pas parce que tu le mérites. Alléluia. Dieu fait grâce. Pourquoi? Parce que ce texte-là nous enseigne, c'est mon dernier point. Écoute-moi bien, là. Les géants, les fils de Dieu, les héros, le déluge. C'est quoi la vérité? Ce texte-là pointe vers quelle vérité? Voici la vérité. Genèse 6, alors qu'on dit c'est quoi le rapport? Ce texte-là a un rapport avec Jésus parce qu'il nous enseigne que la seule vraie solution est toujours Jésus. Et là, je tire pas la sauce. C'est vraiment quand, quand tu as une conception, quand tu, tu comprends le plein conseil, la parole de Dieu, puis quand tu vois le fil rouge du plan de salut, tu comprends ce qui prend place. Parce qu'au-delà de la réalité historique qui est dépeinte dans ce passage, on voit, elle pointe vers une vérité théologique. C'est quoi cette vérité théologique-là? Nous soupirons après une union avec l'humain et le divin. Hein, on le voit. J'en ai parlé, les, les géants d'autrefois, dans la mythologie. Pourquoi est-ce que la mythologie enseignait les demi dieux Parce que dans le cœur de l'homme, alors qu'on est dans notre humanité, alors qu'on on fait face à la mort, à la maladie, aux problèmes de couple, aux difficultés, on aspire quelque chose de plus. On aspire. Après quelque chose de divin. On aspire après le ciel. Et la réponse païenne, c'est les récits de la mythologie. Mais toutes les religions tentent de concilier, tentent de réconcilier le divin avec l'humain. Tu le vois avec l'ésotérisme. Et même nous, dans notre quotidien, alors qu'on se lève, métro, boulot, dodo, il y a un cri dans le cœur de l'être humain qui soupire après Dieu. C'est C.S. Lewis qui dit. Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Dieu a mis dans notre cœur un désir pour Dieu, pour le divin, pour quelque chose de plus. Puis la seule vraie solution, alors qu'on voit des hommes qui tentent de concilier le, 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 les fils de Dieu, les filles des hommes, au-delà de tout ça, là, la vraie solution est en Jésus. Pourquoi Parce que Jésus seul, en Jésus, est non seulement le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme. Tu vois Il est le Fils de Jésus a donné, s'est donné deux Je suis le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Jésus est Dieu, il est homme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que en tant que Dieu, dans son Jésus peut vraiment t'aider. Toi qui as besoin d'une intervention, toi qui as besoin que quelque chose se passe dans ta vie que les hommes ne peuvent pas faire, toi qui as besoin d'un miracle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est capable de vraiment t'aider. Jésus est vraiment capable. Vous savez, il y a des gens qui... Tu as des amis autour de toi, tu vis une épreuve, tes amis te comprennent vraiment mais ne peuvent pas t'aider. Jésus peut t'aider. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de l'homme. Non seulement Jésus peut t'aider, mais vous savez, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider mais qui ne comprennent pas. Tu vas voir le médecin, tu as une maladie, as un peu importe. Le médecin peut t'aider, mais tu as l'impression qu'il ne te comprend pas vraiment. La Bible dit que non seulement Jésus est tout-puissant, mais Jésus te comprend. La Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Hébreu 4 nous dit ça, incapable de compatir avec nos faiblesses. Mais il a été tenté, éprouvé tout comme nous, sans jamais commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour trouver secours, grâce et miséricorde en vue d'un secours opportun. Mon ami, Jésus te comprend. Jésus te comprend. La seule vraie solution est toujours Jésus. On le voit dans son incarnation, on le voit dans notre adoption. Vous savez, on le voit dans la culture populaire, tous les, les super-héros. Hein, C'est quoi le reflet de la culture des super-héros? Tu vois, avec les, Ils ont tous des super-pouvoirs. C'est toujours cette même aspiration pour plus. Il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'il y a plus. Est-ce que tu savais qu'en tant que chrétien, tu as un super pouvoir? Est-ce que tu savais que j'ai un super pouvoir que le monde n'a pas? Si tu es un chrétien, tu as un super pouvoir que les non-chrétiens n'ont pas autour de toi. La Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors qu'on voit dans Genèse 6 euh, une fusion entre les fils de Dieu, les filles des hommes, l'humanité et la divinité. C'est C.S. Lewis encore une fois qui dit que le fils de Dieu, hein, encore une fois, le fils de Dieu est devenu homme afin de permettre à l'homme de devenir fils de Dieu. On voit également la société en Jésus parce qu'on le voit dans notre génération. Si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu savais que tu n'es pas un être humain ordinaire? Tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas une femme ordinaire. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, Dieu, habite en toi. Tu n'es pas Dieu, mais le Dieu, créateur du ciel et de la terre, habite en toi. Vous savez, il y a un mot qu'on entend beaucoup dernièrement, ça s'appelle l'obsolence. Hein? L'obsolence, c'est quoi? L'obsolence, c'est que tous les produits, on appelle l'obsolescence, pardonne-moi, l'obsolescence programmée, c'est que tous les produits... Beaucoup de produits, du moins, sont créés pour être périmés. Hein, ton, ton téléphone a été créé pour ne pas durer éternellement, pour que tu en achètes un autre. Ta voiture a été créée pour rouiller, pour que tu la changes, pour briser, pour que tu la remplaces. L'être humain périme. L'être humain par nature dépérit. Il vieillit, il se fatigue, il se fane, il se flétrit. Mais si tu es un enfant de Dieu, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne faiblit jamais. Alors que ton être intérieur peut s'affaiblir, il y a quelque chose dans toi qui demeure puissant, qui demeure fort. Tu as accès à des ressources que le non-chrétien n'a pas accès en Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Puis on voit dans notre union également, vous savez, il y a des gens qui sont excités par Genèse 6. Hein? Il y a des gens qui disent « Wow, c'est excitant! Les fils de Dieu, les filles des hommes, puis des anges! Puis... » C'est banal, c'est banal. C'est tellement banal. Jésus a fait tellement plus. Le Fils de Dieu prend une église sur terre, une église humaine, puis en fait son épouse. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus excitant. Puis on le voit également, cette... la Bible dit qu'en Jésus, Jésus a réconcilié l'humain et le divin. On le voit dans notre glorification. Vous savez, la vie éternelle, c'est quoi? L'image de la vie éternelle dans l'Apocalypse, c'est que c'est une fusion, c'est le ciel qui descend sur la terre, qui crée quelque chose de nouveau. Est-ce que tu savais que si tu veux acheter de l'encre pour ton imprimante, probablement que tu sais, tu ne peux pas acheter la couleur verte. La couleur verte n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une couleur primaire, c'est une couleur secondaire. Il y a des gens qui disent Oh, à la petite école, j'avais appris ça. Euh, une couleur primaire, c'est quoi? Tu prends, par ben, exemple, du bleu, du jaune et ça crée du vert. Donc, le vert est une couleur secondaire, c'est-à-dire, c'est un mélange d'autres choses. Ce que la Bible dit, c'est que l'éternité, ça va être vert. Alors que nous sommes pris dans le jaune de l'humanité, alors que nous soupirons après, la, le, après le bleu de la divinité, la couleur de l'espérance, c'est le vert. C'est qu'il y a quelque chose, on aspire après quelque chose de plus. Et je termine avec ceci. Donc, Jonas 6, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est Jésus. D'avance, ça nous pointe vers le fait qu'il va venir un Messie, puis c'est lui qui est la seule vraie solution qui est toujours Jésus. On parle de délits, de déluge, on parle d'eau, on parle d'obtenir la grâce de Dieu. Euh, au Québec, on est dans une saison où il y a beaucoup de pluie. Et euh, à la maison, euh, on, a, on a un puisard, en bon français, une pompe en hébreu. Et beaucoup, beaucoup d'eau, puis on, on a une panne électrique. On a une, les gens du Québec, vous savez, on a une, une panne électrique. Et euh, je me disais, bon, mais c'est en plein mois de juillet, euh, ça va pas déborder, tout ça. Et là, j'étais voir, puis évidemment, la pompe fonctionne pas. Et je vois l'eau monter. Et là, je me dis, bon, mais c'est pas compliqué, je, je vais prendre un seau, et je vais vider, je vais vider l'eau. Mais je me rends compte que l'eau monte plus vite que je vide. Et c'est un peu décourageant puis déprimant parce que tu mets beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts pour t'en sortir. Beaucoup, tu dis, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, mais, mais tu n'y arrives pas. Ah, c'est ça le déluge. Quand le déluge a commencé à tomber, probablement que les gens on, on va gérer, on va gérer, on va gérer, non, tu ne géreras pas. Il des choses dans ta vie, tu penses que je vais gérer, je vais gérer, je vais y arriver. Hein? Je, vais, je vais mettre des efforts, puis je vais y arriver, je vais y arriver, puis je vais être très, très honnête avec toi. Il y a des choses dans ta vie, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut y arriver pour toi. Et alors que je tentais de vider, je tentais de vider, à un moment donné, on était chercher une génératrice, donc une puissance extérieure, on a branché la pompe, et je trouvais ça incroyable comment c'était facile. Quand la pompe fonctionne, c'est tellement facile. C'est tellement facile, tu es tellement en paix, c'est tellement de facile comme j'ai rien à faire puis je bénéficie puisque comme, waouh. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec nous alors que on tente par nous-mêmes par nos propres efforts, il y a des gens tu es là, tu vis une épreuve, tu vis une difficulté, tu fais face à la mort, tu fais face au péché, tu fais face à des défis, puis tu travailles fort, tu t'épuises, tu essaies, tu t'essayes, tu essayes, tu t'essayes, tu essaies, tu tu n'y arrives pas. C'est un peu l'histoire de Noé. Noé, y il y... Noé y arrivait pas. La Bible dit que Noé obtient la faveur de l'Éternel. Et là, tu t'es Voici l'application. Confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Alors que pendant longtemps, tu as tenté d'y arriver par toi-même, tu as tenté peut-être de gagner ton ciel par toi-même. Même les chrétiens, des bons chrétiens, hein? beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont sauvés par grâce, mais vivent par les œuvres. Les œuvres, les œuvres. Hein? Il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse plus. La bonne nouvelle, c'est que confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Comme cette pompe, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus paisible, c'est tellement. Mais tu as besoin de reconnaître, tu as besoin d'une ressource extérieure. Donc, confie-toi en Jésus. Ce texte-là dit que même les géants ne vont pas réussir à battre l'eau. Même les héros ne vont pas réussir. Même les bons croyants spirituels qui jeûnent, qui prient, qui chantent des cantiques. On peut réussir. Pourquoi? Il y a seulement Jésus qui peut évacuer de ta vie la mort, le péché, les difficultés, l'angoisse, toutes ces choses qui veulent nous submerger. Là où tu es, confie-toi en Jésus. Il est encore capable. C'est la parole de Dieu pour ce matin.